التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف نرى مراجعة للواجب المحروس. مراجعة ستكون حول les équations, les inéquations, un petit problème, et puis la géométrie. La géométrie, un peu de géométrie. Je vais voir si le temps me permet de traiter la géométrie. Alors, dans la première question, résoudre x carré égale 49. Deuxième question, x carré moins 1 plus 2x plus 3 facteur de x plus 1 égale 0. Et là, racine de 2x moins 1 égale x plus 5. Deuxième exercice, c'est deuxième exercice, exercice 2. Résoudre les inéquations 5x moins 3 est inférieur à x plus 9. Deuxième question, x sur 2 moins x plus 5 sur 3 égale x sur 6. Troisième question, racine de 2x moins 1 égale racine de 3x plus 5. Le problème, exercice 3, trouver deux entiers naturels consécutifs, sachant que la différence de leur carré est 49. Voilà pour l'exercice d'algèbre. Donc, je commence. Alors, on va résoudre exercice 1. Alors, on va résoudre, premièrement, l'équation x carré égale 49. Alors, pour résoudre cette équation, on va transférer 49 dans le premier membre. Ou bien, je fais x carré égale 7 au carré. 7 au carré, c'est 49. C'est 7 fois 7, c'est 49. Maintenant, je transfère 7 au carré dans le premier membre. Ça me donne x moins 7 au carré égale 0. Quand on transfère un terme dans le premier membre et qu'il ne reste aucun terme, alors il reste 0. Maintenant, ça, c'est une identité remarquable de la forme a carré moins b carré. Et a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, c'est x moins 7 facteur de x plus 7 égale 0. Donc, x moins 7 égale 0 ou x plus 7 égale 0. Quand on a le produit de deux nombres est égal à 0, ça veut dire que l'un des termes est égal à 0. Quand on a a fois b égale 0, a égale 0 ou b égale 0. Donc on a appliqué cette règle-là. Alors ça me donne x moins 7 égale 0, c'est x égale 7, ou x égale 0 moins 7, c'est moins 7. Donc, moins 7 et 7 sont solutions de cette équation, sont des solutions de cette équation. Voilà pour la première question. Deuxième question. X carré moins 1 plus 2x plus 3 facteur de x plus 1 égale 0. Alors, dans ce cas-là, on est obligé de factoriser et non pas développer. On ne peut pas, si on développe, on ne peut pas résoudre une équation du deuxième degré. Donc, je factorise. X carré moins 1, c'est x carré moins 1 au carré, plus 2x plus 3, facteur de x plus 1 égale 0. Alors là, x carré moins 1 au carré, c'est x moins 1, facteur de x plus 1. C'est une identité remarquable. Plus 2x plus 3, facteur de x plus 1, égale 0. Maintenant, je factorise une deuxième fois. La factorisation, nous avons x plus 1 est un facteur commun. Amil Mushtarak. Donc, x plus 1, je mets x plus 1, j'ouvre le crochet, et là, il me reste x moins 1 plus 2x plus 3.
égale 0. C'est x plus 1 facteur. À la place des crochets, je mets des parenthèses et je supprime les parenthèses à l'intérieur. X moins 1 plus 2x plus 3 égale 0. C'est x plus 1 facteur. Maintenant, je réduis. X plus 2x, c'est 3x. Il faut réduire. Moins 1 plus 3, c'est plus 2. Égale 0. Donc, on a transformé l'équation sous la forme d'un produit de deux facteurs. Sous la forme de A fois B égale 0. Donc, A égale 0 ou B égale 0. Donc, x plus 1 égale 0 ou 3x plus 2 égale 0. Je résous les deux équations simultanément. Dans le même temps, les deux nous résolvons. X égale 0 moins 1, c'est moins 1. Ou 3x égale moins 2, donc x égale moins 2 tiers. Alors, moins 1 et moins 2 tiers sont les solutions de cette équation. Voilà pour ces deux équations. Maintenant, troisième question. Troisième équation. Alors, c'est racine de 2x. X, il est à l'extérieur de la racine. Moins 1 égale x plus 5. Donc, je transfère x dans le premier membre et moins 1 dans le deuxième membre. Ça devient racine de 2x moins x. Là, il a plus, donc il devient moins par ici. Et là, est égal à 5, et moins 1, je le transfère, il devient plus 1. Maintenant, ici, je ne peux pas calculer racine de 2x moins x. Donc, je factorise par x racine de 2 moins 1 égale 6. Donc, x égale 6 sur racine de 2 moins 1. Je rends le dénominateur un nombre rationnel. Ça devient x, je vais multiplier ici par le conjugué, c'est-à-dire 6, je vais la multiplier par racine de 2 plus 1 et racine de 2 moins 1, je le multiplie par le même nombre qui est racine de 2 plus 1. Quand on multiplie en haut et en bas, on doit multiplier par le même nombre. Ce nombre, c'est le conjugué de racine de 2 moins 1. Le conjugué de racine de 2 moins 1, c'est racine de 2 plus 1. X égale 6 facteur de racine de 2 plus 1 sur, ça c'est une identité, c'est racine de 2 au carré moins 1 au carré. X égale 6 racine de 2 plus 6 sur 2 moins 1. Racine de 2 au carré c'est 2, moins 1 au carré c'est moins 1, égale 6 racine de 2 plus 6 sur 1. Et j'écris seulement le numérateur, puisque j'ai divisé par 1, c'est 6 racine de 2 plus 6. Donc, 6 racine de 2 plus 6 est la solution de cette équation. Voilà pour les équations. Maintenant, on va voir les inéquations. Exercice 2. On va résoudre les inéquations 5x moins 3 est inférieur à x plus 9. Je transfère les inconnus dans le premier membre et les nombres connus dans le deuxième. Ça devient 5x, là plus x, ça devient moins x, est inférieur à 9. Je commence par ça, et puis je transfère. On commence toujours par le terme qui déjà existe dans le membre. Donc, je transfère l'autre. 5x moins x, c'est 4x, est inférieur à 9 plus 3, c'est 12. Je divise par 4, ça devient 4x
sur 4 est inférieur à 12 sur 4. Je simplifie, ça devient x est inférieur à 3. Et j'écris tous les nombres inférieurs, strictement. علاش قلنا ستريكتومون؟ قاش شي مرة تكون او ايغال، خصنا نقولو او ايغال، من ما تكونش ايغال نقولو ستريكتومون. انفيريور ستريكتومون ا 3 سون دي سوليسيون. يعني كاين اون انفينيتي دو سوليسيون، بزاف تاع الحلول، سون دي سوليسيون. دو سيت انيكواسيون. هاد لي فراز ضروري ديروهم. On peut demander de présenter les solutions sur une droite graduée. إلا بغينا نمثلو هاد الحلول في مستقيم مدرج، نديرو بحال هكذا، نديرو هنا 0 1 2 et 3. Alors, من strictement inférieur à 3 غادي نلون هاد الجزء اللي صغير على 3، كاع الأعداد اللي صغيرة على 3 راهم حلول. ولكن هنا ثلاثة ندير واحد الكروشي يشوف عكس الحلول، هاهما الحلول منا والكروشي يجي عكس باش نقراوه ستريكتومون انفيريور ا 3. فوالا بور سيت انيكواسيون. اكزرسيس 2، سا سيتي بروميارمون. دوزيامون، x سور 2 موان x بلوس 5 سور 3 اي سوبيريور، لا جي مي ايغال دونك سوبيريور. نعاود inférieur ou égal. Bon. Alors, moins 5 est strictement supérieur à x sur 6. Donc, pour résoudre cette inéquation, on doit réduire au même dénominateur. يعني نوحدو المقام، المقام منا ومنا. منا 6، donc حتى هنا كاين 6، ماشي لا ضروري. هنا نشوفو 6 سي تا ملتيبل دو 3 اي دو 2، دونك لو دينوميناتور كومان سي 6، وندير سوبيريور وهنا ندير 6. هنا فاش غادي نضربو جوج باش ترجع لنا 6؟ نضربوها في 3، دونك اكس 3 زيكس، ضربنا هنا في 3 وهنا في 3 باش عطاتنا هذا. هنا غادي نضرب في جوج، دونك نضرب ندير موان ونضرب في جوج، وهنا تبقى غير هي حقاش باش نلقاو 6 انطلاقا من 6 غادي تعطي لنا 1، دونك تبقى 1 اكس هو اكس. نقلع المقام وتبقى لنا 3 اكس موان 2 اكس موان 10 جو ديفلوب ايسي اي سوبيريور ا اكس. غادي هاد الاكس اللي هنا بون جو ريدوي هاد لا فورم، 3 اكس موان 2 اكس سي اكس موان 10 اي سوبيريور ا اكس. نجيب x من هنايا موان 10 نديها من هي، x موان x اي ستريكتومون سوبيريور ا 10، x موان x سي 0 اي سوبيريور ا 10. سا سي امبوسيبل. بوركوا؟ باسكو 0 ني با سوبيريور ا 10، إلي انفيريور. امبوسيبل، لينيكواسيون نا با دو سوليسيون، دونك لينيكواسيون n'a pas de solution. Ma عندهاش الحل. N'a pas de solution. Voilà. Je passe à l'exercice numéro 3. Troisièmement, racine de 2x moins 1, x sera barra la racine de 2, est inférieur ou égal à racine de 3x plus 5. N'jib le terme l'effet x minna. Racine de 2x moins racine de 3x est inférieur ou égal à 5 plus 1. Et là, je ne peux pas mettre racine de 2 avec racine de 3. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, on factorise x par racine de 2 moins racine de 3 est inférieur ou égal à 6. هنا غادي نقسم على راسين دو 2 موان راسين دو 3، ولكن قبل ما نقسم خصني نشوف هاد العدد واش موجب ولا سالب. هذا إلي نيجاتيف، علاش؟ لأن راسين دو 2 صغيرة على راسين دو 3، دونك نيجاتيف. دونك إلا قسمت على أن نومبر نيجاتيف جو دوا شونجي لو سيمبول.
On dit, il est supérieur ou égal, on a x, on a 6 sur racine de 2 moins racine de 3. X est supérieur ou égal, on dit, on a le fort ou le taht, le conjugué, qui est le roi, jidr jouj, zaïd jidr morba, tlata. Elle a jidr itnan, naqid jidr tlata, racine de 2 moins racine de 3, facteur de racine de 2 plus racine de 3. Voilà, x est supérieur à 6 facteur de racine de 2 plus racine de 3 sur racine de 2 au carré moins racine de 3 au carré. C'est l'identité a moins b facteur de a plus b. Donc, x est supérieur à 6 racine de 2 plus 6 racine de 3 sur 2 moins 3. X est supérieur à 6 racine de 2 plus 6 racine de 3 sur moins 1. Le moins 1 est la bretnique, je dois changer les signes. Donc x est supérieur à moins 6 racine de 2 moins 6 racine de 3. Voilà, on éclate avec le moins 1. Donc tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 6 racine de 2 moins 6 racine de 3 sont des solutions de cette inéquation. Alors, maintenant, on va traiter le problème. Trouver deux nombres consécutifs, deux entiers naturels consécutifs. Adat sahiha tabi'iya mutatabi'a. Consécutif, hiya mutatabi'a. Wahda mor wahda. Bhal 15 ou 16, 20 ou 21. Hadou, ils sont consécutifs. Alors, donc, pour traiter le problème, nous avons. On a dit trouver deux entiers naturels consécutifs, sachant que la différence de leur carré est 49. Yani, le farq d'yel morba'at d'yelhom, il y a 49. Le farq d'yel morba'at d'yelhom. Walakin, hna ma gadish nistamlou A ou B, gadi nistamlou les nombres consécutifs. Gadi nkhtaro ssghir nsmiwa X. Soit X. Le plus petit des deux nombres. Donc le nombre suivant est x plus 1. باش متابعين مثلا الا قلنا 17 اللي موراه 18 هي 17 زائد 1 الا قلنا العدد الاول 20 الزوج هو 21 21 هي 20 زائد 1 دونك اون لا هنا باش نطبقوا المعطيات الثانيه لا ديفيرونس دو لير كاري اي 49 غادي نديروا المربع تاع الكبير ناقص المربع تاع الصغير ما نديروش الصغير ناقص الكبير باش غادي يخرج لنا نيجاتيف احنا عندنا لا ديفيرونس اي بوزيتيف 49 اون ا اكس بلس 1 او كاري موان اكس او كاري ها هو الكبير او كاري موان الصغير او كاري ايغال 49 الوغ غادي نديفلوبيو هادي تعطينا اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1 موان اكس او كاري ايغال 49 اكس كاري موان اكس كاري سي 0 il me reste 2x plus 1 égale 49. 2x égale 49 moins 1. 2x égale 48. X égale 48 divisé par 2. On va diviser les deux membres par 2. Ça devient ici x et là 48 par 2. X égale 48 divisé par 2, c'est 24. Donc, les deux nombres. Donc,
les deux nombres sont 24 et 25. On peut vérifier, on fait vérification. Vingt-cinq au carré moins 24 au carré égale, on va dire 25 au carré, 25 fois 25, 5 fois 5, 25, 5 fois 2, 10 et 2, 12, 2 fois 5, 10, 2 fois 2, 4 et 1, 5, c'est 625, 625. On va dire 24 au carré, 24 fois 24, 4 fois 4, 16, 4 fois 2, 8 et 1, 9, 2 fois 4, 8, 2 fois 2, 4, 6, 17, 576, moins 576. Et quand on dit le farc, on dit 15 moins 6, c'est 9. Je retiens 1. 12 moins 8, c'est 4. Je retiens 1. 6 moins 6, c'est 0. Donc, voilà, c'est vérifié. Donc, je vais traiter la géométrie dans une deuxième vidéo parce que c'est la faute du temps. La vidéo sera trop chargée et je vais traiter dans une deuxième vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner. Si vous êtes nouveau, appuyez sur la cloche. Merci.